Ramène ta fraise sur la chaîne Aslaïgaï. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Ah ouais, d'accord. Allez, le clash de la drague, t'as un préféré pour le clash, Romano, Cédric, ouais, Romano. Ah, et ton frère, ah, il est merci, pour qui merci. Pour qui? Romano. Ah, deux fans de Romano. Eh ben merci. Ah, c'est pas grave, tranquille, la team Lebèche mobilisera aussi. Attention, Erwan, on te garde dans un instant, tu nous expliques tout, mais tout de suite, c'est parti pour le clash. Okay. Allez, on y va. Allez, go. Les deux plus célèbres dragueurs du monde vont maintenant s'affronter sur l'antenne de Skyrock. Et nous. Et tous les coups sont permis pour remporter le titre du meilleur dragueur de la soirée. D'un côté, Romano. De l'autre, Cédric. Bah, Cédric, c'est moi, le seul. L'unique, le vrai, le beau gosse. C'est le clash de la drague. En effet, d'un côté, Romano. Bonjour. Bonjour. Et de l'autre, Cédric. Salut les filles. Très bien. Salut les filles, ouais. Avec des méthodes pour draguer. Alors, j'espère qu'on va réussir à joindre les familles parce qu'il est quand même 23h03. Ouais. Donc on va voir si elles sont pas encore couchées. Tiens, Cédric, un petit message de Callaghan, ton ami. Bonjour Callaghan, on l'a pas salué d'ailleurs, Callaghan. Il te pose une question. Le défilé sexy ce soir? Non, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais je vais y penser, Callaghan, t'inquiète. Ça fait bien 3 semaines, oui. Ah bah oui, au moins. Plus que ça, mais t'es malade, ça fait au moins 3 mois. Et si, tu nous as fait un défilé sexy avec une pizza l'autre jour, tu te rappelles pas? Hein, non. T'étais livreur de pizza sexy. Ah, c'est vrai. Voilà, je suis livreur de pizza sexy. C'est spécial, ça. Alors vas-y, qu'est-ce que tu nous fais ce soir? Alors aujourd'hui, c'est la journée internationale de la plomberie. Yeah. Et pour ça, ben moi je suis plombier, j'aimerais bien visiter la tuyauterie de la famille, quoi. Donc, ah, c'est bien, ouais, réparer, déboucher les tuyaux, tout. Voilà, vérifier la plomberie de la femme. C'est aujourd'hui? Ouais, c'est aujourd'hui, ouais. Ah ouais. Ah non, mais. Bon, ouais, pas mal. Non, je sais pas, vu qu'on a. On n'a pas parlé ce matin. En général. Ah, je suis déçu. Les journées spéciales, on en parle. On a pas été faire des tuyaux chez les familles. Ah non, putain, merde, non, je me suis trompé. Non, c'est pas aujourd'hui. Connard, va. Mais je crois qu'en plus, on l'a fait le matin. Mais non, c'était au mois de mars, ouais. Ouais, donc c'était le 11 mars. Ah, j'en ai déjà fait. Ah ouais, on est le 11 avril. Ah, merde. Mais à moi, voilà, je suis retardé. C'est dommage, Cédric, ta méthode était pas mal, mais elle est un peu décalée. Voilà, je suis retardé. Tu veux pas nous faire la méthode des de Noël? Sinon, moi, je pensais faire Noël. Noël, tu penses? Ou l'été dernier même. Je m'en fous, je suis plombier quand même, et puis je vais quand même vérifier la tuyauterie de la famille. Ça n'a plus aucun sens. Bah si, non, bah ce sera pas juste la journée, c'est tout. T'es complètement. Donc t'es plombier. Bah, je peux être plombier. On salue Eminem Show d'ailleurs, Eminem Show que j'ai croisé dans la rue l'autre jour, il m'a pas vu. Elle était avec moi quand même, d'ailleurs. Ouais, bah non, il l'a peut-être fait exprès. On a crié son nom. Il regardait comme, tu sais, il cherchait comme un con. Ouais, on a crié Eminem Show. Ouais, Eminem Show, il cherchait. C'est nous. Eminem Show, Tagan Callaghan et votre Cédric. Ah, les teams se mettent en place, c'est bien. Romano, ta méthode? Eh bien, moi, ma méthode, c'est. J'ai croisé la bonne femme aujourd'hui dans la rue, j'ai trouvé qu'elle avait une peau dégueulasse au niveau du visage. Ah ouais. Donc j'ai décidé ce soir de lui crémer la gueule. D'accord. Mais est-ce que tu as au moins quelque chose pour lui crémer la gueule? Ah bah oui, bon sperme. D'accord, très bien. C'est bon pour la peau, hein, Marie? Bien sûr que c'est bon pour la peau. Je sais pas, demande à Cédric, hein, c'est lui qui a testé. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah bah c'est vrai, mais Marie, en général, qui c'est qui a des rapports avec la crème, c'est toi? Non, non, mais moi, je supporte pas sur le visage, donc je n'ai pas. C'est vrai que dans la bouche. C'est vrai que Cédric, pour. Bah ouais, c'est pour même moi qui te l'avais mis. Pour lutter contre les boutons, on avait testé une crème faite à base de sperme. Mais il était pas au courant. Marie, c'est du sperme cash, elle, qu'elle prend. Elle. Oui, oui. Bah, tu non, me dis différent. Même pas, tu devrais essayer. Ouais, non. Moi, je le prends dans la bouche, je dois bien vous avouer que je n'ai plus une afte depuis que j'avale. Bravo, Marie. J'ai dit un afte déjà. Ah, bah, Marie, t'as fait une faute de français, t'as dit une afte. Ouais, ouais. Non, c'est un afte. Bon, c'est parti pour le clash de ce soir, on y va avec donc les familles que nous allons appeler maintenant en direct. Quelle est la première famille qu'on appelle en direct, Samy? On va chez Hervé. Hervé. Et c'est pour Cédric. Ouais, allez. C'est parti. Top clash de la drague. Et les votes, c'est après, hein. Dès que vous avez entendu les mêmes. Allô Hervé. Ah, les déclarations pour Hervé. Hervé. Tu m'entends Hervé? Allô. Ça commence mal, ouais. Vas-y, raccroche avant qu'il dise allô et qu'il raccroche. Allô. Ah, il a dit allô. Non, il a pas dit allô. Là, ça bouge pas, il y a un problème dans le son. Ah, je sais pas, personne. Bon, Hervé, on oublie. On fait allez. Patrick. Ah bah tiens. Absolument, ouais. Oui, Patrick. Ah non, c'est un autre Hervé là. Ah non, c'est Hervé. On refait encore Hervé. D'accord, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Comme je vous disais, j'espère que toutes les familles dorment pas. C'est parti. Oui. C'est en direct. Allô, bonsoir. Est-ce que Hervé est là, s'il te plaît? Voilà. Elle a dit allô. Merde. Allô? Ah ouais, elle a dit allô, elle a dit oui. Mais rappelle-la, ça a coupé, il y a eu un problème. Ah bah oui, elle a raccroché, oui. Donc, tu prends un rappel? Donc, non, je prends pas un rappel. Non, mais si, c'est un rappel, Cédric. Non, une fois, je prends pas de rappel. Il y a pas longtemps, je me suis fait baiser comme ça, j'ai mis. Non, rappelle pas. Un rappel ou pas? Pas de rappel. Ok, je raccroche. Très bien. Allez, on passe à moi. Je crois que ça va être vite réglé, l'histoire. On passe à toi, Romano. C'est parti. En tout cas, du côté de mon adversaire, c'est bien. Pas trop. Non, mais c'est bien, tu perds pas de temps, il est déjà tard, t'as raison. C'est vrai. On a encore plein de trucs à faire d'ici minuit, ça tombe bien. Bon, Romano. C'est qui là? Qui? C'est
Gérard. Ouais. Gérard. GG. C'est parti chez Gérard. Allez, Gérard. Alors, Gérard, je t'attends, mon mignon. Mon mignon. Je vais t'en mettre plein la gueule, GG. Et à ta femme aussi. Mais c'est bon pour la peau. Ah oui, très très bon. Bon, GG, on va passer. Philippe. C'est Philippe. Oui, allô. Oui, bonsoir, c'est Philippe. Oui. Oui, comment vas-tu? Ben bien, qui c'est? Bien, 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 c'est un copain de ta femme à l'appareil. Elle est là ce soir. Ah, oui, oui. Ah oui, parce que d'Ivoire, je l'ai croisée aujourd'hui. Moi, je travaille dans l'esthétisme et j'ai trouvé qu'elle n'avait pas une très jolie peau au niveau du visage. Et, allô? Oui. Oui, et donc ce soir, je voulais lui proposer de venir lui mettre de la crème sur le visage. Je peux passer à la baraque? Bah, là, dans 5-10 minutes. Une crème 100% naturelle. On fait un petit câlin et puis après, je lui crème le visage tranquillement, quoi. C'est rapide. Hein. Ah, c'est rapide, oui. Quoi, c'est rapide? Ça dépend de ma forme sexuelle, mais je pense que ce soir, ça va être assez rapide. La crème sort vite. Ah ouais. Une bonne crème 100% naturelle. C'est du bio, hein. J'en doute pas. Bon, donc je vais venir dans 5 minutes. Et c'est qui alors? GG, c'est ça? Non, Jean-Louis, moi. Jean-Louis? Ouais, Jean-Louis, ouais. J'ai un salon d'esthétisme et ce soir, je vais m'occuper de ta bonne femme, comme il se doit. Un salon d'esthétisme? Ouais, ouais, ouais. Et si tu veux que je te fasse un peu de crème aussi sur le visage, il n'y a aucun problème. Hein. Allô? Ouais. Ouais, donc je passe dans 5-10 minutes, là. Ouais, si tu crains pas les coups de fusil. Non, je crains rien du tout, moi. J'ai peur de rien. Le fusil, tu me le mets dans le cul, je serai le plus heureux des hommes. J'entends ta belle derrière, elle veut prendre le téléphone? Allô? Oui, un mec qui dit qu'il va venir. Il explique à sa femme. Il peut expliquer. Allô? Ah non, elle est partie. Ah, malheureusement. Malheureusement, elle est partie. Bah, en même temps, il m'a pas dit non, hein. J'ai une petite invitation à prendre des coups de fusil, hein. On passe au deuxième tour. Ah, ça, là, évidemment, on ne dit rien sur mon appel. Moi, c'est. Bah, quoi? Ah, si, beau gosse. Magnifique. N'en fais pas trois tonnes non plus. Mais je note juste que quand Cédric fait une invitation minable, comme j'ai fait, on le signale. Alors que moi, on ne signale rien. Mais bon. Bravo, Romano. Tu as fait une très belle invitation. Je le signale. Une très belle invitation minable, comme tu l'as fait. Bah, écoute, c'est mieux que de faire de la merde, comme a fait Cédric juste avant, quoi. Et bravo, Cédric, parce que je vais te féliciter aussi. Tu as fait une très belle merde avant. Allô? Allô? Oui, allô? Ouais, bonsoir Bernard, comment ça va? C'est qui? Eh ben c'est Michel au téléphone, le plombier. Je t'appelais pour ta femme, là, je voulais lui faire la visite de courtoisie. Je voulais vérifier sa tuyauterie. Michel est le plombier. Ouais. Ben je voulais venir avec ma grosse seringue et la passer dans son tuyau et voir si c'est pas bouché. Oui, attends. C'est Michel, je sais pas trop quoi, avec sa grosse seringue. Michel le plombier. Michel est le plombier. Le beau gosse aussi. Oui. Plombier. Oui. Allô. Comment ça va, ma chérie? Tu vas bien? Qu'est-ce que c'est? C'est Michel, le plombier. Elle a encore raccroché. Et voilà. C'est et dingue, voilà. Cédric. Et mais tout le monde raccroche. C'est dommage parce que c'était bien parti. Voilà. Et je prendrais bien rappel. Le Belge nous a servi un deuxième bousin. Mais t'as vu, il a même pas un gros bousin, quoi. Moi, je prendrais bien rappel. Une grosse crocotte vilaine. Allez, il veut un rappel. On donne un rappel. Allez, vas-y. Allez, on tente le rappel. On tente le rappel. C'est parti. Attention. Empile-nous de la merde. Ouah, ça je sais faire. Empile-nous de la merde. Ça je sais bien faire. Ouais, j'ai un gros trou du cou. Non mais là, franchement, t'as pas un rappel, mais... Bah écoute, il a raison, c'est le deuxième et dernier coup de fil. Techniquement, j'aurais pas fait ça, moi. Ah mais pas de troisième tour, donc réfléchis. J'arrive pas. Et bah voilà, putain. Je suis bloqué. Et voilà le rappel, c'est là. Bah voilà. Bon bah, Romano, t'as récupéré un rappel et ton appel. Donc, ça fait deux coups de fil. La merde en barre de 12, quoi. C'est vrai. Ferme ta gueule, toi. Oh là là, il est tout de suite agressif parce que. Mais c'est toi qui est agressif. Il est nul et. Patrick, j'ai l'impression que c'est de notre faute. Il y a une petite question que me pose Shawir, tiens, pour Cédric. C'est quoi le rapport entre le plombier et la seringue? Ouais, c'est vrai. Bah, je sais pas. J'avais c'est envie le plombier, mais il est médecin en même temps. Tu t'es trompé, tu voulais faire la méthode de l'infirmière. Bah, non, ça c'est la prochaine prochain clash, ça. Ah, tu mélanges en fait. Calaguette aussi. Voilà, je suis l'infirmière sexy. Voilà, et je viens livrer une pizza. Ah ouais? Moi, oui. je fais également pompe. Allô? Bonjour, vous êtes bien au 03. Allô? Oui. Bertrand? Oui. Ouais, comment tu vas? Ça va. Bah, c'est un copain de ta femme, là. C'est Jean-Louis à l'appareil. Allô? Oui. Oui, tu m'entends? Ouais. Bon, d'Ivoire, ce soir, là, je vais venir faire l'amour à ta femme et ensuite, je vais lui crémer le visage avec mon sperme. Oui. Oui, ça ne te dérange pas, évidemment.
Non, pas du tout. Bah écoute, j'arrive dans 5 minutes. Comme ça, je m'occupe d'elle. Bam, une petite levrette au milieu du salon. Ensuite, on ira dans la cuisine. Je lui gicle sur le visage. Et s'il m'en reste un peu, bah, je t'en mettrai un peu à toi aussi. D'accord. Ou alors, je peux te faire caca sur le visage. C'est très bon aussi. D'accord. Le caca, c'est bon. Si vraiment, je n'ai plus de jus. Bon, bah, je suis là dans 5 minutes. J'arrive avec ma bite et mon trou du cul. Oui, mais t'as intérêt de faire vite parce que je vais te broyer ta gueule, toi. Ah bah oui. Bah écoute, avec plaisir, mais avant je. Mais est-ce que tu vas lui broyer sa gueule là, à coup de bite? Là, on paye en plus. T'appelles en secret. Oui. Donc t'as pas de couilles au cul, mon gars. Ah bah les couilles au cul, toi, tu vas en avoir une paire, ça va être les miennes. Ah bah je vais te dire, t'as qu'à venir parce que je vais te recevoir, mais quelque chose de bien. Ah bah moi je viens pas pour rien. J'espère que. Déjà, tu vois, tu m'appelles Bertrand. Mmh. Déjà, je te connais pas. Bah moi je t'appelle Bébert, ou si tu préfères. Ouais ouais. Parce que moi j'ai. Moi je viens, j'ai envie que ça passe à l'action directe, tu vois. Oui, bah si t'habites pas loin. Tu fasses pas ta grande gueule au téléphone, il peut arriver sur le moment qu'il se passe plus rien, quoi. Ma grande gueule, mon petit con, t'as qu'à venir à la barrière là. Et puis je te jure, je t'attends, mais je te démonte. Et si t'as des copains, viens avec, parce que je te jure. Non, bah je viendrai tout seul. Oui, parce que là, il y a du monde qui est derrière aussi, ça rigole bien. Ah, c'est la télé, bon. C'est la télé. Oui, bonjour, je suis la télé. Oui, mais je t'avais dit que là tu vas te la raconter. Alors, comment ça se passe? J'arrive, je t'attache à la barrière et je t'enfile dessus. Regarde, j'y vais, là, la barrière. Tu vas? T'as intérêt de venir, parce que je te jure. Bah, je suis là dans 5 minutes. Tu m'attends à la barrière, va pas prendre froid quand même. Hein. Oui, bouge pas, mais putain, mais je te jure, je vais te ramonner ta gueule, toi, puis quelque chose de bien. Eh ben, écoute, je te propose d'arriver dans 5 minutes, top chrono, là. Ouais, des sales branleurs comme ça, je vais te jure, alors. Mais oui, mais oui, moi aussi, je t'aime, mon bébé. Eh ben, je te dis à tout de suite, mon amour. Oui, gros con. Merci. Ah, gros con. Merci, mon chéri. À tout de suite. Je suis pas sûr que tu le fasses, l'amour. Qu'est-ce qu'elle a gueulé derrière, l'autre, encore? Emmerde. Ça, c'est cadeau, ça. Merci. C'est merci gentil. Bien, ma chérie. J'arrive. À tout de suite, mes chéris. Coup de 22, tu vas avoir gros con. Comment? Je ne comprends pas ce que tu dis. Mais encore un, tu ne dois pas bosser dans la journée, toi, c'est pas possible. Ah non, c'est clair, c'est vous qui payez pour moi. Hein. Ouais, c'est clair. Les allocs, tout ça. Ah bah, c'est clair. Ah, je suce le système. Merci, Bébert, d'ailleurs. T'as raison. Pour te remercier, je te ferai l'amour comme il faut. Fais vite, je te jure, dépêche-toi de venir. Ah ouais, bah je sais que t'en peux plus. Putain, hein. Il est excité. Chaud. Eh bien, j'arrive, mon amour. Il va faire l'amour, il va le faire. A tout de suite. Alors là, vraiment, bravo pour le clash. Magnifique. Mais il va se faire taper dessus, bravo clash. Non, mais rappelez la gueule. Alors, Cédric, Romano, tu prends pas de rappel. Bah là. Et en plus, il prend pas de rappel. Quoi, Sylvain, je le rappelle, il va péter un câble. T'entends ça, Cédric? Il prend même pas de rappel. On le demande de rappel. C'est un ouf, ce Romano, ça. Ah, à Guedin. Ah, dingue. Il t'a dit qu'il allait tramonner la gueule. C'est-à-dire que. À coup de bite. À Marie. Marie, si tu veux, tu viendras avec moi. Non, ça va, tu te démerdes. Gros bédo, t'as entendu, il va tramonner la gueule. Ouais. Je peux venir. Bah, moi, je vais ramener sa femme et je vais le ramener lui, tu vois. Comme ça, tout le monde sera content. Bon, alors, attention, on passe aux déclarations maintenant et vous allez pouvoir voter juste derrière. Cédric. Bon, moi, mon adversaire va se faire casser la gueule, c'est pas le clash du cassage de gueule, déjà. Bah alors, qu'est-ce que t'as fait, toi? Alors, pour ça, la team Le Belge, votez Cédric, C-E-D-R-I-C. Moi, j'ai des familles qui n'étaient pas très, très communicatives. Mais ferme ta gueule, je dis ce que je veux, t'as pas serré, de toute façon. Je dis ce que je veux, t'as rien serré du tout. Je dis ce que je veux. Ok, d'accord. Laisse s'exprimer Cédric, Romain. Bon, mon adversaire n'a rien serré. Il dit des choses intéressantes. Il va s'inventer une vie encore, genre il a serré, alors qu'il a strictement rien serré. Pour ça, votez Cédric, C-E-D-R-I-C. 41759, je compte sur vous tous et vous toutes pour voter Cédric. Karim, je veux pas que tu me filmes. Mais dis, votez Cédric, c'est une déclaration, dis, comme ça il vote pas. Ouais. Mais non, mais voilà. Bon, merci beaucoup. Allez, la suite. Bon, eh ben la suite, moi je vais faire ma magnifique déclaration. Tu veux chanter? Si vous voulez, moi. Allez, toujours prêt, mais on veut chanter avec toi. Attends, Erwan, est-ce que tu veux que Romano chante? Ouais, je veux bien qu'il chante, ouais. Tu veux qu'il chante Romano, Romano. Tu veux ça, mais c'est pas possible. Ouais, chanter. Je vous fais un live en même temps sur Periscope. C'est Radio Libre. Merci. Sur Periscope, allez. Alors, attention. Skyrock. Non, c'est sur le mien, là. Je suis avec le mien. Karim de Skyrock. Bah, ouais, mais il faudrait mettre celui de Skyrock. Ouais, parce qu'il y a plus de monde. Imbécile, moi, je chante pas pour combien il y a de personnes. Pour 3 pèlerins. Bah là, il y en a 700, ça va. Ah, ça va, bonjour. Ça va. Il y a celui de Skyrock. Il y a le Periscope Skyrock. Ah, mais voilà, venez pour le live. Branchez-vous sur le périscope de Skyrock. Combien y a de personnes sur le périscope de Skyrock, Romain? Attends, on vient de le mettre en route, donc. Il y en a zéro pour combien l'instant. Combien t'es là? Et en fait. Non, mais t'as combien d'abonnés? Non, c'est la perruque de Pamela qui fait tourner, Romain. T'as combien d'abonnés, Romain? Combien d'abonnés? Beaucoup. D'accord, merci. Okay. Bon. Et qu'il en panique, il arrive pas précis, trop. C'est précis. Combien? Bon, c'est bon. Bon, vas-y, envoyez le son là, parce que je vais tout donner là. Trois. Tu veux chanter, Erwan? On chante tous ensemble. Trois.
4. Romano, il faut voter Romano. 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 Alors, la déclaration. Mais il fait des bisous. Attendez, je règle ce que je m'étais réglé le son dans ma tête là. Oui. Alors. Ça va pas très fort dans sa tête. Il est chauve en plus. Bon, ce soir, mes amours, vous avez entendu, deuxième appel, bim, un serrage monumental. Il m'attend devant la barrière. Il a rien. Ce soir, je m'occupe de sa femme, levrette dans le salon, après une petite éjaculation faciale pour lui faire plaisir. Une guguille éjaculation faciale. Ensuite, s'il me reste quelques gouttes, direct sur le mec, ou alors je lui fais caca dessus. Ouais. Et lui veut me broyer. Eh bien, pour tout ça, votez Romano et Romano. Je compte sur vous, mes amours. Team Romano, ce soir. On est tous ensemble pour la victoire. 23h17, toi tu fais des poèmes. 23h17, top vote. Vous votez pour Cédric, C-E-D-R-I-C. Ouais, c'était pour C-E-D-R-I-C. R-O-M-A-N-O. À vous de voter sur tous les réseaux de Skyrock, enfin, en particulier sur le 41759 et sur l'application Skyrock. Vous téléchargez l'appli, vous envoyez vos messages. Et le Skyrock.fm, ça marche également. Faites-nous péter tout ça, allez-y. Votez Romano. Votez, votez et votez. Et dans un instant, les résultats du clash arrivent. Bon, c'est pas grave, Cédric. On va donner les résultats du clash. Comprends? Ouais. Ouais, ça, je comprends. Ouais. Allez, les résultats du clash de la drague de ce soir. Vous les voulez? Les voici, les voilà. Je les découvre avec vous. Oh! C'est serré, dites donc. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? C'est serré. Qu'est-ce que tu dis, Karim? Mets ton micro en marche. Il n'y a pas eu du déglingage, il disait. Il n'y a pas eu du déglingage. Non, il n'y a pas eu de déglingage. Bon, Cédric et sa méthode du plombier qui arrive avec une seringue. Bon, je sais pas pourquoi, mais bon, c'était ta méthode ce soir. Et Romano, ça n'avait ni queue ni tête. Ouais. Si, ta gueule. Et toi, Romano, ça avait de la queue puisque c'était ta méthode de pommader le visage des gens qui ont une peau. Ouais, c'est ça. J'ai croisé les familles. Je trouvais qu'elles avaient une peau dégueu. Je me suis dit, je vais leur crémer le visage. Et tu as bien fait. Tu as bien fait. On va voir si vous êtes d'accord. Les résultats du clash de la drague donnent. Alors. Et oui, et c'est serré ce soir. La victoire à Romano. Ouais. Et oui, tu gagnes le clash de la drague, mais par quel pourcentage? Combien? Je vous disais, c'est serré. Allez, vas-y, combien? Comment tu penses? Serré. Ouais, je sais pas, franchement, j'ai rien fait. Donc, Oui, c'est pour ça que je dis que c'est beaucoup plus serré que je le pensais. Ouais. Au-dessus de 35%, ouais, c'est bien quoi. Ah bah, ça serait une belle branlée. Ah, au-dessus de 35, c'est bien. Ah ouais, c'est quand même. Ah bah, c'est bien, quoi. Écoute, t'as 38, Romano, il a 60. Ah bah voilà, tout le monde est heureux. Ah, les envies est belle. Merci, merci mes amours. Moi, ça fait plaisir que tout le monde soit content. Je suis content. Ah putain, ça fait du bien là de gagner là. Waouh. Bon bah, un clash pour Romano pour démarrer la semaine, mais rien n'est joué. Hein. Je rappelle qu'il y a 15 jours, c'est Cédric qui gagnait le lundi. Non-stop, ouais, je gagnais. Et qu'après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Romano a gagné mercredi. Comme quoi, oui, c'est bien ce que je vous disais. Ah ouais. Tout peut arriver. Bah, mercredi dernier, vous avez fait les mêmes scores. 62-38. Ouais, exact. Ah ouais? Décidément, ouais. T'es abonné. Et voilà. Pourquoi tu défiles, Romano, avec la coupe? Je défile pour le public. Non, mais l'autre. Le public du Périscope. Merci toute la team, Romano. Merci d'avoir voté. Merci. La victoire, c'est la nôtre. Tous ensemble. Oh là là, mais il paraît que vous êtes 150 000 sur le Périscope. Là, ouais. Et là, maintenant, ça a monté. 155 000. Putain, mais je fais les audiences de France. Et ouais. Quoi? Tu fais même les audiences de Canal Plus. Bah, Romano. Carrément, de Canal Plus. Mais ouais, de Canal Plus. 150 000, mais ils font 5 ans, eux. Bah, à peu près tout le temps maintenant. Ah merde, tu sais, ouais, ils ont vrai. Changé les émissions. Ah bah oui, bah écoute, je fais l'audience de Canal Plus. Tu fais les audiences des Guignols. Ah ouais. Merci. De rien. Bon, voilà, clash géré. Mercredi, on le fera un petit peu plus tôt, je vous le dis, parce que, bon, quoique, c'était marrant ce soir, même si on l'a fait. Bah, ouais, ouais. Moi, ça m'a convenu très bien. Moi aussi. On vous remet le coup de fil de Nabila, le réveil de Star ce matin dans le morning. C'était avec Nabila. Va te faire enculer. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me dis va te faire enculer? Mais non, mais c'est Karim. Tiens, il gâche la fête, il me file mon crâne. C'est pas la fête, les mecs. Bon, qu'est-ce que je vous dis? Y'a plus rien. Putain, fais voir le coup de fil de Nabila.